carrière qui s'élance tout de suite en tête de notre droit de Baptiste Lapoissonnière, Lilian Levert, Tony Roturier, Thomas Hurien, Clément Cortet et Achille Demelier. Pour Team Charrière, donc le pilote des trois, les choses paraissent absolument bien engagées. Pierre Lafosse, 35, toujours là en deuxième position. Il reste encore deux places avant. En troisième position, nous retrouvons Clément Cortet. Et la dernière place qualificative, elle reviendra au pilote de France. Allez, encore une minute pour Mathéo Lecaille Sargentier et Alexandre Guyot-Orbada. Devant, donc, pas de problème, c'est toujours Brésil Bretonnec. Solène Kelly toujours en première position, ça ne bouge pas de ce côté-là. En tête de course, Michael Peter, il a également Baptiste Jupille, Pierrick Dufour, Axel Bresson, Livio, Legas Argentine, Logan Way et enfin Paul Néglise. Donc Enzo Leclerc, ProStart, est toujours à la première place, c'est ProStart, c'est pour le cas aussi pour lui. Et Pierrick Dufour en deuxième position, le pilote de l'Iran, Michael Peter à la troisième place et pour la quatrième place qualificative, elle reviendra à Axel Bresson pour dans Paris-Tavaux. Allez, encore un huitième de finale, nous sommes toujours bien évidemment avec les Benjamin, attention à Enzo de Oliveira, le pilote de Mongeron, un peu bloqué là-bas sur les extérieurs, ce n'est pas lui qui va sortir en tête du premier virage. Ah, attention, le leader qui a chuté, c'était Paul Brown, pour Schweinheim qui malheureusement compromet ses chances de qualification. Voilà les scoristes, s'il vous plaît, merci d'intervenir. Voilà les scoristes, s'il vous plaît, merci à vous. Voilà, donc pendant ce temps, nous avons bien Mongeron en tête avec Enzo de Oliveira qui avait pris l'avantage. Ouais, attention, une trajectoire, une figure quelque peu bizarre et involontaire, bien évidemment. Mais bon, il n'y a pas de conséquence sur son classement. Derrière, on lance la poursuite, bien évidemment. Et nous allons retrouver Maxence Piton, le pilote de Besançon, qui lui aussi va se voir qualifié. Allez, un nouveau 8e de finale avec le docteur et le pilote du Team Espoir, Enzo Cortet et Baptiste Lou. On devrait les retrouver aux deux premières places. Donc pour l'instant, ils sont 1 et 3, 1 et 2, oui, finalement. 1 et 2, pour l'instant, c'est eux qui occupent le commandement Baptiste Lou, Enzo Cortet. Et on devrait être là également pour le temps d'Aïn Espoir. Il y a Ewen Mancelin, Alexandre Mailloff, Kevin Mathieu, Albin Brochère et Maël Lisol pour le club de Saint-Georges. Toujours les deux pilotes du Team Espoir reconnaissables, pardon, là, les couleurs couleur orange. Ils occupent toujours les places de 1 et 2, donc pas de soucis pour eux, on va les laisser filer vers les dérivés. En troisième, peut-être deuxième position, Léon Lefebvre pour le Nord de Bruxelles, et la quatrième place qualificative, elle reviendra à Alexandre Bayon pour le club de Lima. Allez, un nouveau départ, encore un huitième de finale, qui va Benjamin, bien évidemment. Attention à Tom Mountain pour le club de Rennes, parce que c'est lui qui a pris Sacha Tasson, pardon, Sacha Tasson pour le club des Rennes, c'est lui qui a pris l'avantage avec Carthage à Côte d'Ivoire pour l'instant. En deuxième position, Tom Mountain, complètement, Maxence Bartiquette, Maxence May, Ilyes Benlala, Julien Léger et Lilian Mardier. Voilà, devant donc toujours Irani en tête avec Sacha Tasson, déjà vainqueur de ses manches à nouveau en tête. Et bien c'est huitième de finale, Carthage à Côte d'Ivoire en troisième position, puisqu'il y a un pilote qui fait un gros retour, c'est Tom Mountain. Voilà, Martin Jacob à la troisième position et pour la dernière place qualificative, on devrait pouvoir citer Maxence Ben pour le club de Besançon. Huitième de finale, toujours 813 déjà dans cette catégorie. Louis Benjamin a encore 4 places à prendre, messieurs sur la piste. Les 4 premières passées la ligne arrivée. Pour l'instant, c'est Enzo Lanemet qui a pris l'avantage, le pilote de Roubaix avec le Maxime Gérard pour compléter la droite. En deuxième position, je vais garder tous les parcs de l'Ontario pour Bertrand. J'ai mis encore sur la piste Yannis Boran, Aurélien Chiro, Benjamin Guillaume, Alex Cousin et Enzo Grimaupon. Donc, Enzo Lanemet. On y va, ça à la tête de course pour l'instant, Maxime Gérard est en pied de terrain. On s'est passé la balle de changement chez les couleurs, sauf pour le coup, il y a toujours là Enzo Lanemet. La deuxième position, la troisième position, la quatrième et dernière place qualificative.
passer pour virer en tête. Voilà, ça fait fausse fête maintenant. Il a pris l'avantage à la sortie de ce premier virage derrière lui. Nous allons retourner entre deux. Luc est parti pour le club de Dupuis sur la piste encore de Luc et Dupuis. Il y a Vincent Petitru, Etan Chaudron, Quentin Leu, Johan Matuzac et enfin Lubin Quatrevaux. Devant donc toujours ce pilote du Team Espoir, Tom Comblé pour le Artois Bénix, toujours installé à la première place. En deuxième position, ça ne bouge pas trop de ce côté-là. Attention, et bien pour retour également.